Le secrétaire général de l'ONU a soutenu les sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA contre le Mali. Antonio Guterres estime que les autorités de Bamako doivent présenter un calendrier électoral dans les plus brefs délais pour espérer voir ces sanctions être levées de manière progressive. La décision de la CEDEAO qui établit que si le gouvernement malien présente un calendrier acceptable et prend les mesures dans cette direction, il y aura une levée progressive des sanctions. Et naturellement, je travaille avec la CEDEAO et avec l'Union africaine pour créer les conditions qui puissent permettre que le gouvernement du Mali adopte une position raisonnable et acceptable pour accélérer une transition qui dure déjà il y a longtemps. L'ONU ne ferme pas la porte au Mali. Antonio Guterres prévoit une rencontre avec les autorités maliennes. J'espère pouvoir entrer en contact brièvement avec le gouvernement malien. Je crois que c'est absolument essentiel que le gouvernement malien présente un calendrier acceptable du point de vue des élections. Sous pression internationale, Bamako a appelé à des manifestations pour dénoncer les sanctions de la CEDEAO.